D'accord? Gneva da'at perigimel alakha samechei. 65. Shenelatz le'akdim shalom l'adam racha. Normalement, il ne faudrait pas dire shalom à un racha. Un racha, le moins possible de communication avec lui. Mais je dois lui dire bonjour, mishum derech eretz. Alors, yechaven belibol akadosh baruch hu. Quand il dira bonjour, tu penseras à dire bonjour à Boré Olam. Ve'en bazé mishum ramaout. Pourquoi? Sheken darkam shel tzadikim, shekol divrehem mechuvanim la'Hashem. Puisque le tzadik, tous ceux qu'il pense, ils pensent pour Boré Olam. Alors, même quand il dit shalom à un racha, c'est pour être mechabed akadosh baruch hu qui fait ça. Alors, à partir du moment où il dit shalom à un racha, alors qu'il ne faut pas dire shalom à un racha, et il le dit en erfan mechavlen, comme s'il disait pour akadosh baruch hu, alors à ce moment-là, il n'y a pas un problème de gnevadat ici, parce que de toute manière, un tzaddik, habituellement, tout le temps, tout ce qu'il fait, il fait les shem hachem. Donc même avoir dit shalom et avoir pensé à Kodesh Baruch Hu, il n'y a pas de différence dans ces autres types de comportements qu'il a. Mais si on n'est pas tzaddik, c'est un baya. De dire shalom à un racha, c'est que ça de baya. Qu'est-ce qu'il appelle racha? Qui fait bémézid, l'achis, tous ces trucs-là. Et en vérité, c'est un zohar tout ça. Hein. C'est un zohar tout ça. Magdin, Ulpanal, Deha, Le Barnache, Chayava. Je lui dis qu'il dit bonjour, qu'il rencontre un Barnache, un homme qui est Chayav, qui est Asuké Racha. Asou, l'Agdim, Alé, Le Shalem. Asou de devancer, de lui dire Shalom. Donc, ce moment, c'est un zohar, mais fourrage là-dessus. Maintenant, Samervav. Kshemechabdim, Adam, Sheno, Raoui, Le Chavodze. J'honore quelqu'un qui ne mérite pas ce Kavod-là. Par exemple. מי שמחבדים אותו במדרגות הכבוד הראויות לתת למי שהוא יודע ששתי מסכתות, si je donne כבוד à quelqu'un qui est censé connaître deux מסכתות, והוא אינו יודע זולתי אחת, il n'en connaît qu'une seule, עליו לומר להם, אחת לבד אני יודע. Si par exemple, je me dis, wow, Rony, il a terminé le chasse. Alors, Rony, il faut tout dire qu'il dit, non, j'ai fait la moitié du chasse. Après, vous décidez laquelle moitié c'est. Mais il faut qu'il dise, c'est la moitié du chasse. Parce que si je dis, je suis mechabed quelqu'un et je dis, il a fini le chasse. Et ce n'est pas vrai. Il y a Gnevadat par rapport au public qui vont lui faire du kavod parce qu'il a terminé le chasse. Donc Ron, il doit dire tout de suite, non, c'est la moitié, mais vous pouvez choisir la moitié que vous voulez. Ou un autre exemple, il y a deux jumeaux. Un, il est Talmid Chacham, l'autre n'est pas Talmid Chacham, mais ils se ressemblent. Maintenant, le pas Talmid Chacham, il rentre dans la synagogue et on commence à lui faire le kavod parce qu'on croit que c'est le Talmid Chacham. Il doit tout de suite dire, stop, c'est pas moi, le Talmid Chacham, c'est mon frère. Tu reçois un kavod qui n'est pas matim lecha. Ma'amid panim ke chassid. Par exemple, mi shenoeg befaresi à la sot maser chassidut. Dehors, il fait un ici, il se comporte comme un chassid. Vilou bitzina, non izarbaim. Mais quand il est seul avec lui, il est ksat mezalzel. Je suis devant, je lui dis, Baruch, attends, Hachem, chassid. À la maison, Baruch, Hachem, le Kodemelech, on l'aime, chakoni, amid Baruch. Donc, c'est une différence entre eux. L'extérieur et l'intérieur, arrêt ou gonève d'at abriot. Sangana. Si tu joues le rôle du religieux dehors, alors qu'à la maison tu n'es pas religieux, tu es un menteur. Et gonève d'at abriot quelque part ici. Samechè, le klal zé, kol mi shepiv shalom yedaber et reou, le kirvato yashim orvo, ça s'appelle aussi kaviachol gnevadat. Et ça s'appelle plus que gnevadat, ça s'appelle même kaviachol chanoufa. Si entre ce que tu dis et ce que tu penses, c'est deux choses différentes, il y a un problème aussi de gnevadat là-bas. Pourquoi? Parce que tu dis quelque chose et tu penses autre chose. C'est déjà un problème de chanoufa, mais c'est aussi un problème de gnevadat, comme on a marqué ici.